déjà utilisé cette pâte à tonique qu'on a vue aujourd'hui. Donc je vous montre l'exemple. 1, 2, 3, 4, début. Je ne fais que les notes qu'on a vues aujourd'hui. L'harmonie, évidemment, il faut passer par un apprentissage d'harmonie, mais c'est quand même pratique d'avoir des gammes qui fonctionnent aussi sur tout un morceau. Parce qu'après, l'étape suivante, donc, c'est faire la gamme blues, et la gamme blues vient de la gamme pentatonique mineure. Donc, do, mi bémol, fa dièse, si, do. Et c'est cette gamme-là qu'on va utiliser aussi sur un blues majeur. Alors, je vais vous montrer déjà l'exemple, même avec la gamme pentatonique, on va quand même essayer d'improviser sur le blues majeur. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Plus fort, le playback. Là, pour l'instant, je reste sur la pâte à tonique. Majoritairement sur les blues, même sur les blues majeurs. Essayez de le retenir d'oreille parce que c'est trois fois le même rythme, quoi. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez le faire soit en bas, soit en haut. Moi je vais le faire en haut. Donc moi je le fais comme ça. Vous pouvez utiliser un peu les ghost notes pour être bien placé rythmiquement, justement entre deux. C'est une manière de travailler. Et puis après, par contre, quand il y a... Et puis vous pouvez faire, pourquoi pas, un petit glissando. Un peu glissando ghost note vers le bas, sur le do. Ça peut être sympa. Thank you.
Voilà. Ça, c'est pas mal hein, comme exercice, de garder dans tout le blues une phrase, puis comme ça...